Mon oncle a un comportement trop bizarre. Partie 2. Après la visite d'Olivier en pleine nuit, j'avais qu'une envie, avoir des explications de sa part. Mais on peut pas dire qu'il a été très rassurant. Salut Olivier, tu voulais me dire un truc hier soir ? Non mon frère, c'est insupportable. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui, alors tu me déranges pas, ok ? J'ai passé la matinée à m'ennuyer de fou, et vers 15h, j'ai commencé à crever de faim. Olivier ? Quoi ? Tu veux que je prépare à manger, que je fasse un truc ? Non, j'ai pas faim, j'ai des choses à faire. Alors j'ai décidé de le laisser tranquille et j'ai essayé de m'occuper comme je pouvais. Ah bon ? Tu m'as fait peur. Je croyais que t'étais en train de bosser. Et j'ai pas eu d'autre interaction avec lui de la journée. C'est trop bizarre, il voulait qu'on rattrape le temps perdu, mais là j'ai l'impression de le déranger. Alors je suis resté tranquille dans ma chambre jusqu'à la nuit tombée, mais vers 2h du matin, j'ai entendu des bruits qui venaient du salon.